vous, vous êtes supporter. Vous disiez des conneries. C'est normal, vous êtes supporter. Ah, Bastia, 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 Bastia. C'est la ligne 2, c'est ça l'effet ligne 2. Je me sens Jean-Louis David. Elle te rentre même pas. Jean-Louis David. Tu as un coup, il est comme ça en fait. C'est un coup de ton rire. Elle rentre même pas les gens. Jean-Louis David. Il a la tête posée sur le tronc. Il arrive même pas. Il va falloir prendre le modèle au-dessus. Non, là je m'étrangle. J'ai vu que tu n'arrivais pas à la mettre. C'est la ligue 2, ça y est, on y est. Hein. Ligue 2. C'est ouais, beau, on ouais. s'est lâché, on s'est tous lâchés, ouais, ça fait du bien. Aussi, hein, ça a été... Ouais. Ils sont montés en pression, ouais. Ouh, ça a bu, c'est bien. Mais ouf, bon, ça faisait deux mois quand même, hein. J'ai oui, pas de me coup de l'anus hein, si on montait pas. Oui, mais la bobine est là, on la garde ouais, pas. Ouais, je vais te mettre sur la bobine. C'est pas ça, oh, parce que tu remets ton titre en jeu, par contre, c'est ça. Je peux pas remettre mon titre en jeu par rapport à ce que tu m'as dit avant de la BNCG, c'est pas possible. Moi, ce qui m'a, c'est cette photo. La première image, c'est cette photo, tu vois, de cette souffrance, c'est propriétaire. Toi, tu étais en Twitch. J'étais monté. Non, Propriano, j'ai un peu que Propriano. Ah, j'étais certaine, certaine. Ah, c'est certaine. C'est bon. Le match d'après. Ouais. Ouais. Moi, pour moi, c'est celle-là hein, qui. Et il y avait des certaines. Propriano est le premier match à compter contre le Canet. Déjà, hein. la tenue magnifique, déjà. C'est bon, je vais te dire. Bon, là, il y a bon, Propriano. Les premiers matchs, ça a été quand même. Bon, il y a Gary, on reconnaît, qui est encore aujourd'hui. Hein. On voit Gary Koulibaly. Ouais. Kerbach, petit Kerbach, qui est encore au club. Parce que combien il y en a du centre là, qui était au centre? Il y en a beaucoup dans cette équipe. Le petit Santini, en école de football, déjà bien sûr. Le petit Agostini, le vieux Odos. Carlos, Jérémy Santini, Guillaume Canet. Oui, c'est lui alors. Guillaume Canet, le remplaçant, ouais, ouais. Balbino. Il y avait Romain, non? Il y avait Lucas Riquet aussi. Nesba, Julien Romain. Pour te dire, Gilles, un centre de formation, à quoi ça sert des fois? Pourquoi c'est important? Mais quand je rabâche Jean dehors. On était mort là, on était mort. S'il n'y avait pas eu ça. S'il n'y a pas eu. Si tu n'as pas une réserve à peu près, tu fries. Je ne peux pas rebondir. C'est pour ça que là-bas, on ne va pas reporter, on est dans l'euphorie. Mais le centre de formation, c'est très important. Maintenant, il faut commencer à travailler les bases, les fondations. Basculons le professionnalisme. Il y avait la fête. La fête, bon, elle a été un peu en avance. On n'a pas vécu sur le terrain. Bon, parce qu'il y a eu Orléans. Qui a gagné le match mercredi, enfin qui a perdu justement contre Villefranche-Beaujolais, du coup ça nous a. Je vais te dire heureusement que Corleone a perdu. Bon, après peut-être qu'il aurait changé, on ne peut pas se projeter. Vu comment ce qu'a nous a montré hier, je ne sais pas si ça aurait changé grand chose. Gagner, je ne sais pas. Après, on ne peut pas se projeter si tu avais perdu, enfin si Orléans. Tu gagnes facile contre eux, même si Orléans aurait gagné. Non, on peut pas être sûr. Nous, ça n'a rien gâché de la fête. Je veux dire, au début, on s'est dit, on va peut-être le fêter le vendredi, attendre que l'équipe joue. Sinon, après, on est descendu dehors. On en a discuté hier, il y a quand même un goût d'inachevé parce qu'on n'a pas vécu. Ouais. On était Mais on est mort. Toi, cette saison, on n'a pas vécu. Même si on était content de monter. Bien sûr. On n'était pas à la maison, on n'a pas vécu quelque chose. Il y a l'ambiance là du boulevard, c'était monstrueux. C'est pour ça que là, ils étaient au stade, il paraît, les joueurs et tout ça. Ouais, j'ai été hier, oui. Parce que moi j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit une indiscrétion, j'ai dit pourquoi vous n'êtes pas venu en ville. Ouais, les joueurs, tu dis, hein. Ouais. Les joueurs, même les dirigeants. Ouais, ouais. Ils m'ont dit, ils ne savaient pas que. Et c'était, il n'y avait rien de prévu. Qu'il allait y avoir de l'ampleur comme ça. Mais nous, Gilles, nous le savions, on en a parlé. Nous, on a parlé que si on allait. On savait que le préfet, oui. entre guillemets, tolérerait un rassemblement. Oui, c'était prévu. Qu'il y avait un petit arrêt. Attends, mais c'est rien contre Sporting, si tu crois que si on accède à Ligue 2 officiellement, ne pas faire la fête, c'est impossible. Oh, ça aurait été criminel. Enfin, criminel, non, il y aurait des histoires. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait des histoires. Oui, c'est ça, il y aurait des histoires. Bon, moi, j'aurais préféré, c'est pour ça que le stade, c'est un peu loin, moi, j'ai préféré avec les gens. Là c'était bien, on s'est régalé. C'est un partage avec les supporters, avec le peuple, voilà. Parfois, on a partagé aussi avec les joueurs au stade, les joueurs. 200 personnes qui se sont. Ça aurait été encore mieux. C'était bien aussi. Mais moi, j'aime bien partager avec mon peuple. Moi, j'ai vu les deux. Franchement, après, aussi, j'aime pas trop après aller vers les joueurs et tout. Mais les petits jeunes, c'est bien qu'ils aient été. Mais ceux qui ont envie, faut pas empêcher. Les joueurs sont sortis, le président est sorti, les dirigeants sont sortis. Voilà. Mais il ne fallait pas se brider, dire ah non, on attend vendredi, qu'on va. Mais une vraie fête, c'est en ville. C'est fait. Une vraie fête. Ah, ça a toujours été. On fait en ville, sur le boulevard. D'ailleurs, on t'a dû accrocher sur mon 4x4, regarde.
Il a failli mourir. Tu as failli tomber. Alors là, il m'a oublié. C'est pas ça. Non, mais toi, tu viens de gars. Tu m'as oublié. Je sais que tu montes. Je me souviens. Je m'accroche. Je te dis, prends-moi. Il s'accroche, oui. Après. Une montée, lui, que t'as mis. Parce qu'à un moment donné, je vois qu'il prend les freins, les tournois secs. J'ai lui fait exprès, il prend pas un coup. Alors moi j'ai vu une. Mais je vais pas m'agripper. Il a repris le deuxième, mais j'ai frappé sur tout. Tu tombes. Mais il m'a dit après j'ai oublié. Tu m'oublies. Bon alors tu tombes. Tu as fracture de la jambe et du bras. Je peux mourir. Et derrière, tu n'as pas vu, mais il y a une voiture qui te suit. Lunettes, quadruple foyer au volant. J'aurais pas soin d'en parler. C'est Baccaré. C'est jamais écrasé par Baccaré. C'est jamais écrasé par Baccaré, il prend ta faute. Non, mais non, tu finis sur Wikipédia. Il y aurait eu des drapeaux à ton effigie sur les ponts là-bas à Casablanca. Comme ça. Oh, j'avais drapeau main gauche, téléphone en filmant et je klaxonnais avec le coup. Et je tournais comme ça avec le moignon. Et tu tournais en tout cas, moi j'ai coup d'accélérateur. Toi, tu serais le rien doux, toi. Et j'avais mon starch à côté, là où je suis. Même pas, il me dit, que tu as accroché, il me dit rien. Non, c'était bon, voilà. Voilà, rigoler. Pas eu de drame, rien dit. C'est ça le sport. Et puis tu vis si ça respectait le préfet, donc des fois d'être conciliant, des fois de pas être. Tu vois, je veux dire. On a croisé en plus un fourgon de police et ils ont fait comme ça. Le premier fourgon qu'on a croisé, le premier d'entrée. Alors, CRS ou police basse police nationale. Police nationale. Ils nous ont fait comme ça avec le point. Voilà. Bon. J'ai eu peur, j'ai dit, là c'est bon, allez, c'est bon, ça part. C'est ça la magie d'ailleurs, du sporting et du foot. Ils ont été mutés à Wallis et Futuna, hein, pas contre derrière. Bon, vous avez vu ça en plus. Il y avait un échange de toute la journée avec les quatre clubs concernés. Ouais, c'est bien. Avec il y avait. Le Sporting qui met la photo de tic-tac avec Mr Bean, il n'y a que lui qui répond. Alors, le SCB, impatient de quoi d'être le résultat ce soir, avec Orléans qui rétorque, ne comptez pas sur nous pour vous faire ce cadeau. Et pour finir, Villefranche, tenez-vous prêts, QRM et SCB, on ne sait jamais. Ouais, c'est beau, c'était rigolo, c'était bien, ça. Bien. Ça crée quand même une petite émulation. Et bon, on voit que le foot, avec le Covid, les gens, ils lâchent un peu. Il faut arrêter de se prendre la tête. C'est ça qui était beau aussi. Après, il y a eu plein de messages anciens joueurs. J'ai pris celle de Martin aussi. Bravo les copains, félicitations aux Sporting pour son retour dans le monde pro. Rendez-vous à mardi parce qu'on va jouer. D'ailleurs, il y a Thauvin qui s'est fait tâter. Hein. Ah bon Thauvin. Ah ouais. Ah, Thauvin. Ça, c'est pas. Parti par les islamo-gauchos. Thauvin nous a félicité. Oui. Ouais. Les islamo-gauchos. Et tous les beaucoup de supporters de l'OM l'ont tâté. Ah ouais. Ah c'est sur la bande. Il y a beaucoup de supporters de l'OM qui ont applaudi quand même. Ouais, j'aurais pensé le contraire. Moi, la jette Ravier et tout nous a félicité. Thauvin s'est fait tâter. Retour là-bas. J'aurais pensé que c'était le contraire. Moi, les Corses qui allaient dire. Là-bas, à Marseille, après, je les ai. C'est fait tâter. Bah. Bon, on aurait pu le fêter même le week-end avant, hein. Malheureusement, après le cas Covid, il a été reporté au match de Cholet. Bon, je veux dire, ça m'aurait embêté, moi, qu'on fête le truc avec Stéphane Ross. Enfin, ouais. Ça m'aurait un peu contrarié, moi. Franchement, ça tombait mal. Oui, ça tombait mal. Et c'est tombé bien. Oui, exactement. Ouais, et attends, vu les absents qu'il y avait prévus pour le match de Cholet, c'est pas dit que. Non, mais dans le truc, ça m'aurait contrarié un peu que ça se la fasse là-bas. Tu vois, c'est un peu l'oublié de cette histoire. Non, plus, pas oublié, non, je pense que quand même les gens. Il a fait partie quand même de cette. Oui, non, mais les gens. Renaissance. C'est l'émulation est beaucoup. Non, mais tu as le 5 mai au milieu aussi, aux idées. Hein. Oui. Non, c'est là, ils ont mis le 4 mai le match. Mais je te dis, le match, quand il était prévu à la base. Oui, il était prévu à la base. Mais là, si on le fait là, quand on l'aurait fêté là, c'est vrai. 5 mai. Non, on l'aurait jamais fêté le 5 mai. On ne l'aurait pas fêté, c'est pour ça que je te dis. Bon, je crois que le match au Soudan en Coupe de France, à l'époque, c'était tombé à 5 mai. Ah, oui, deux jours avant. Mais c'est impossible. La demi-finale, elle est loin avant la finale. C'était en mai. Parce que... Alors, tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait eu la minute de silence improvisée. Exactement. Non, mais c'est avant. L'arbitre du match, il est venu au Palais des Glaces après. Je pense que ça a rien à voir. Le 2 mai, je me dis, le 2 mai. Ouais. Non, mais je suis pas le 5 mai, mais. Non, mais tu sais pourquoi? Un jour avant, il y avait eu la minute de silence qui avait été improvisée. Parce que justement, c'était une demi-finale de Coupe de France. Et Stéphane Bril a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. On dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah oui. Tony Vérel l'avait dit à Téléfoot. Ils se sont, en fait, les joueurs s'étaient réunis pour le cri de guerre. D'ailleurs, ils savaient même pas quand l'arrêté. Il prolonge pas Cholet. Il a averti le club. Bon, c'est lui qui a averti le club qu'il ne prolongerait pas. Il signe. Il y a des bruits qu'il envoie au Mans. Ah ouais? Ah, écoute, c'est ça. Il y a des bruits qu'il envoie au Mans. Et le petit Majo, c'est pas parce que le monsieur avait un an de contrat. Bon, intéressant. Pas une nouvelle.
Bon, mais bon, je te dirai pas qui c'est qui m'a dit qui c'est qui l'envoie au monde, parce qu'après Chabert il va appeler le. Ouais, 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 il va appeler. Qui t'a dit qu'il l'envoyait au monde? Bah, je sais pas. Bon, le Sporting a égalé le record de France de 3 montées consécutives. On avait Le Mans, on a égalé le record, 3 montées consécutives. C'était, il y a que Le Mans qui avait fait ça avant nous aussi. Strasbourg n'a pas fait. Non, ils ont joué en NBA, ils ont joué en NBA. Non, voilà, on a notre petit record encore. C'est un petit trophée, je le prends. Oui, hein, joli. Mais Strasbourg a stagné, je pense, l'année où nous on monte justement, non? Où ils ont déposé le bilan après. Ouh, ça, c'était, enfin, c'était un truc comme ça. Ça, vu. Vous voyez, bonne nouvelle, hein. Après que Jean-Marie va faire Pékin Express avec le coach. Oui. Alors, Marie. J'ai eu ces bruits. Moi, je suis dans le poutin. Tu vois, tu as des bons. Moi, je suis là. J'ai eu ces bruits. Tu pars à Pékin Express avec le coach. Tu mets quoi dans le sac? Je pense que je peux faire un arrangement, si tu veux, pour qu'on gagne un arrangement. Après, si on gagne pas, ça dure 10 minutes. Je on, non, on peut chanter la chanson de Fernandel. Un jour, des musiciens venus du Nord. Qu'est-ce que tu mets dans le sac? Tu peux avec lui. Boule caisse. La façon que vous avez pour. Ça, c'était la conférence. Le contenu et les résultats, voilà, c'est pour toi, Jean-Marie. Remisant ces derniers matchs, même si à cette victoire ce soir, c'est vrai que cette victoire n'a pas été avec la meilleure manière de la saison. Je m'en fous du contenu. Voilà, ça vous va comme réponse. Je m'en fous, je m'en tamponne à un point que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Plus important, c'est que sur les 3 derniers matchs, j'ai pris 7 points. Voilà. Calmons-nous. Donc, le contenu. Elle est bien ciblée, hein. C'est pas mal. Moi, le contenu, c'était une grande phrase à Cazogne à l'époque. Le contenu est bon. J'ai aimé le contenu. On perdait 3-0, mais j'ai aimé le contenu. La conférence qui suit, où on est en. Enfin, où il parle du match qui avant, suit. Avant Annecy. Il se reprend en disant c'est vrai que j'ai un petit peu exagéré en disant le contenu, je m'en tamponne. Parce qu'il est. Ouais. Non, mais ça, tu sais, les conférences de presse à chaud, c'est jamais. C'est la fatigue, après, voilà. Moi, je m'en fous un peu de ça. Je veux dire, les conférences de presse de Chabert, c'est l'Inde, hein. Je veux dire, tu es. Oui, c'est bon là, c'est rigolo dans ce qu'il faut avec Internet. Voilà. Il y a du à l'Europe aussi. C'est magnifique ça. Ça c'est magnifique. Je sais pas qui a fait ça, mais énorme. C'est bon ça. Un peu de fumée, c'est du génie, ça. C'est du bon. Même Caponnette, il a été acclamé, il savait qu'on allait monter. Mais qu'est-ce que j'en pense? Bokeh. C'est Bokeh. Bon, ouais. Un petit chant pour le Sporting, Freddy. Il est bon, c'est Caponnette. Eh, hey, ça classe. Ils sont où ces chiens? Hein? Ils sont où ces chiens? Ah, il en a plus à manger. C'est il a mangé, hein, les chiens. Bon, il y avait aussi il y avait une rencontre qui avait. On parle du 5 mai. Il y avait une rencontre qui était programmée le 5 mai encore, ouais, le Havre Toulouse. Il y a encore le collectif qui a dû monter au créneau, les gens qui ont fait émulation encore pour qu'ils reportent. Ouais. C'est un truc de fou, non, ça. C'est peut-être des. Enfin, mais comment ils font à chaque fois? Je pense que c'est des logiciels qui doivent mettre en place. Mais à un moment donné, c'est eux qui mettent les matchs. C'est-à-dire que c'est pas une fête, le 5 mai, c'est pas une fête islamo-gauchiste, tu oublies. Non, mais ne soyons pas. Non, c'est quand même tout le monde. Tu es toujours obligé, tous les ans, ils t'en mettent un. Arrête, putain, arrêtez. On n'a pas à discuter toujours de ça. C'est pas une fête islamo-gauchiste. Ils n'arrivent pas à ne pas mettre un match le 5 mai. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un mollet, c'est même fatigant. C'est pas le logiciel, c'est eux, c'est les salopes. Salopes! Ah, il y a aussi des travaux, on a vu, contre Dibourg. Les travaux d'intersaison se précisent comme ceux de plus vraiment plus les années à venir. Ouais. Elle est venue Courgeot, là, Courgeot, comme ils disent. Ouais. Courgeot, Courgeot. Oui, il y a d'autres. On écoutait plus aussi. Elle mange un peu comme le Sporting dans toutes ses composantes. Nous nous rendons compte qu'il ne faut pas avoir d'idée. Aujourd'hui, nous avons une certitude, c'est la couverture des tribunes. Il y a tout ce qui va avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons repenser les tribunes, les dites tribunes. Peut-être via la démolition, de l'embellissement, repenser la façon dont les supporters sont accueillis, la façon dont ils sont assis, les buvettes, le numérique, les écrans géants, la sono. Aujourd'hui, nous avançons. Les premières réunions pour caler tout ça vont intervenir d'ici une quinzaine de jours avec le club. Et ensuite, il y aura ce fameux appel à projet avec les sociaux, c'est d'autres. Mais si on a bien compris, les tribunes Est et Ouest, en ordre d'une toiture, finalement, elles vont aussi peut-être changer structurellement, au moins la tribune Est.
forcément. Aujourd'hui, on ne peut pas garder cette infrastructure en l'état. Certes, on va le couvrir, mais il faut la rénover. Il faut donner des conditions dignes d'accueil à nos supporters qui sont très exigeants. Peut-être pas une tribune, mais en tout cas une tribune repensée avec du vrai aménagement, une partie de démolition, hein, notamment sur les petits travées, et ensuite repenser le mode d'accueil, l'assise, bien que nos supporters restent pas souvent assis en tribune est, mais effectivement des conditions d'accueil en phase avec leurs attentes. Et au final, il y aura même des petits travaux, si on a bien compris, en tribune nord et en tribune sud, ce qui n'était peut-être pas prévu au départ. Oui, peut-être même des gros travaux, ouais, parce que là aussi, je pense qu'il y a des choses à penser. L'enveloppe est plus conséquente, vous avez vu, hein, plus de 8 millions d'euros. Nous avons fait passer un message aujourd'hui aussi, c'est de dire que les fonds publics sont de plus en plus rares, il faut les utiliser à bon escient. Nous serons très regardants sur l'utilisation de ces fonds publics et nous comptons sur les entreprises pour nous accompagner dans cette démarche de reconstruction du stade. Dans ces 8 250 000 euros, il y a 758 000 euros pour être très exact qui vont être consacrés à la rénovation estivale du stade, à la mise aux normes, espérons, de la Ligue 2. En quoi va-t-il consister cette mise aux normes très concrètement? Parce que là, je pense qu'on est peut-être un peu plus dans le concret. Oui, alors ça va intervenir d'ici le mois de juin, hein, on y est. Hein. Effectivement, c'est l'installation de deux écrans géants de 6 mètres par 4 mètres. Hein. Alors, on va s'en du stade ou sur les tribunes nord et sud, nous attendons de voir les retours des études de faisabilité. C'est bien ça, mais c'est où comme en Italie. Mais aussi l'installation de poches de bouffe dans le stade, en Italie, nord, sud, est, ouest, afin que les supporters puissent avoir aussi accès aux matchs. Ce sont des normes imposées par la fédération. Nous y répondrons présent, plus plusieurs petits travaux d'embellissement au sein du stade. Voilà, il y a deux phases. Une à 758 000, la première qui va mettre la mise aux normes pour la Ligue 2, écran... Wi-Fi, bon après ça fait gagner des points, je pense que ça c'est ici. Ouais, c'est pour les points. Et après, la seconde phase qui est plus grosse, 8 700 000, 8 millions, bon 8 millions, ouais, un peu plus. Tu parles de la Wi-Fi, là, il y avait des stades justement qui coupaient la Wi-Fi en Allemagne. Ah ouais, pourquoi? Parce que les gens étaient tout le temps sur téléphone. D'accord, ok. Et ils encourageaient même plus ça. Donc le temps du match, ils coupaient la Wi-Fi. C'est important. Tu as un mi-temps. En fait, tu prends la mi-temps. Exactement. Rappelle Nico Capo, téléphone, vous les mettez dans les poches, dans votre cul. Mais en Allemagne, ils avaient coupé. C'est ça. Et oui. tu remets la mi-temps, tu appelles qui tu veux, mais pendant le match. C'est comme ça, rater le match, chérie. Ouais, tu filmes les films, le match. Et ça gâche un peu le. Ouais, mais c'est Walt Disney, les trucs comme ça. Quand non, bon, 8 millions, c'est bon. Est-ce qu'on va y arriver alors? Est-ce que quelqu'un. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, je pense. À un moment donné, il va falloir un peu. Parce que moi, depuis que je suis né, les travaux, je les avais vus finir. Donc, à un moment donné. C'est un peu loin. Non, mais à un moment donné, s'il peut y avoir. Toujours en construction. S'il peut y avoir un peu de normalité. Ouais, c'est moi, cette fois-ci, j'y crois. Moi, j'y crois cette fois-ci. Parce que c'est dans ton camp. Hein. Ouais, je sais pas. C'est vraiment. Sûr, oui. Bon, je reviens un peu sur le coach, il nous avait écouté par rapport au groupe de 21, on avait parlé. Est-ce que tu penses qu'il nous a écouté? Est-ce que tu crois qu'il nous a écouté ou c'est pas vrai? Jean-Marie Marozzi. Non, c'est le coach, il a écouté quand il a eu les deux déplacements consécutifs. Il écoute Jean-Marie, toi. Non, moi, j'ai pas su si c'était prévu ou si peut-être la mission a été. Non, je crois qu'il t'a écouté. Parfois, il va te dire. Mais il a dit merci Jean-Marie. Mais tu nous fais chier, Marozzi. Tu nous as fait avoir 5 joueurs en plus. Tu es sérieux quand tu dis ça, Gilles, ou tu le. Non, je suis sérieux. Moi, je crois pas. Moi non plus, je crois pas. Ministère, je suis obligé d'élargir. Quand tu parles. Moi, je pense que Jean-Marie, il a bien. Moi, je crois pas. J'ai été étonné qu'il amène Salis. Ouais. J'ai été très étonné de ça. Parce que pour moi, si Jean-Marie a un truc, il fait le contraire. Ils ont fait quoi, les joueurs qui sont restés sur le camp? Alors, tiens, je vais te donner une espèce, je sais pas, aucune idée. Mais je te donne même une anecdote. À Cholet, oui. Tu avais comme les trois suspendus que tu as eu hier. Hein. Oui. Tu avais aussi le cardinal forfait. Oui. Et j'ai appris quand Salis n'était pas dans les 16. Oui. J'étais même trouvé ça étonnant. En fait, c'était prévu Roncalli à droite et Assignon à gauche. Il est même bien que le coach. Maintenant, il a prévu Assignon à gauche. Parce qu'en fait, c'est du cinéma. Il lui donne l'équipe. Mais c'est moi. Je suis Teguim. Ah, Teguim. Il y a eu la photo de Pelletier, de Nicolas Pelletier, qui avait mis en voix Florent Maurice discuter avec Assignon à la fin du match. Ça, c'était. J'ai une anecdote sur ça. C'est le même club. J'ai bien fait de le mettre. Je vais te donner une anecdote. C'est pas la face de Mioch. Alors, Florent Maurice, il a favorisé l'arrivée d'Assignon. Non, pas du tout. Il est agent à Rennes. J'ai une anecdote. Non, il est recruteur. Non, c'est Nicolas Pelletier qui m'a expliqué. Ah, il a l'anecdote. J'ai une belle anecdote. Il a le vrai. Je te prie de m'écouter si tu m'écoutes. Attends, je m'installe, vas-y. Il a le vrai, là. Donc, Nicolas Pelletier, avec qui on a fait un son avec notre ami Gilles, Loïc Apret, ici présent. Oui. Il a fait Saint-Brieuc aussi avant le. Saint-Brieuc. Et il m'a expliqué que bon, il a vu Maurice et tout, et Maurice c'était avec des gens de Rennes. Ouais. Bon, il est venu superviser, parler à un joueur comme il ça. Il regardait son joueur, quoi. Et pendant le match et tout ça, il dit putain, ce milieu de terrain est pas mal là. Hein. Ah. Taquiner, c'était ça la mange. Tu vois, il est pas mal sur les qualités. Il est à Rennes, lui. Mais
Et le mec à côté de Rennes, il dit ouais, ben, on l'avait chez nous, il était déjà chez nous, mais comment il vient d'arriver? Tu as fait le football. Le football, Maurice, il vient d'arriver à Rennes. Directeur sportif. Oui, mais bon, il n'était pas censé savoir. Il est arrivé il y a 10 ans. D'ailleurs, c'est la manche, j'ai été à la technique. Il était chez nous déjà, celui-là. C'est horrible, ça. D'ailleurs, c'est la manche, j'étais à la technique avec le casque. Aïe, tu veux là. Oui, par contre, ça y est, la Fréricus. Bon, allez, on va parler un peu de foot avec le match d'hier. Tiens, un peu de fumée pour le match. Un peu de fumée pour le match. Un peu de fumée pour ce grand match. Énormément de monde sur la butée hier. Ouais. Écoutez, énormément de monde à la butée. Regardez ça. C'est beau, la butée. La Floya, la gare. Donc on te dit, on te déjà vu de droite. En bas à gauche, on te dit. Avec Alain Mouzine, on l'a mis à l'air. Oui, ouais, les gens, ils n'en peuvent plus. Hein, et ça me rappelle un Bastia Strasbourg avec Anto. Oui. Quand il y avait un Tibézic. Oui, avec le but de Pentecôte. Bastia Ouem avant, alors. Le but de Pentecôte. Le Bastia Ouem. Et Bastia Ouem, mais c'est bien pire. Non, non, mais non, il n'était pas nombreux sur la gare. Il y a un match contre Strasbourg. Oui, Strasbourg, c'est bien. Il y avait même notre ami Philippe Ouliouling, je m'en souviens. La femme à André en voiture qui klaxonnait en bas. Centre c'est ça. Et on avait les pieds dans la boue, on a voulu rentrer. Et on a écouté le match à la radio. Gilles, Dragon de B. Oui, il est passé pour quoi, Dragon de B? C'est pas me crier comme ça, je vais le il est passé pour quoi? Non, mais pour klaxonner. Ah ouais, ouais. Ah oui, ah, j'ai jamais vu on s'est mis à rire avec ah, j'ai compris maintenant. Le train, le dragon de B. Ah, le train, j'ai le train. Bon, il y avait blessé John et Angelini, suspendu Salamange, Ducro et Quimper, non retenu Salis, Raspantino, Roulibaly, Kerbache, Mesba et Jourda. Voilà, il y a le 11. Du coup, bon, il y avait trois titulaires, trois cadres en moins. Hein. Il y avait quand même Salamange, il y a eu beaucoup de modifications. Ducro et Quimper. Ça, c'est pas trop senti. Et du coup, la coach, il a passé son diplôme à Clairefontaine. Il revient de Clairefontaine. Ah, tu peux parler. Tu as le droit de parler. Tu as le droit de parler. Tu as pris le diplôme. J'ai la clé et j'ai vu la forêt de Rambouillet. Tu as le diplôme ou pas? Tu as été validé? Non, c'est au mois de juin que je passe la. Bon, alors. Tu as pas le Non, remettons les choses dans la. J'ai pas eu ce. J'ai déjà. Moi, je mets pas le brevet. J'ai un premier degré. J'ai pas de. Moi, je mets pas le brevet des collèges. Bon, donc, comment vous jouez? On est passé à 4 derrière, mais avec le cardinal à droite, on a fait basculer à Signon à gauche. Oui, ça on a vu. Devant la défense, Guibert. Ça, j'ai vu. Et ensuite, on est resté sur du. Mais pourquoi mettre Guibert en 6? Alors, moi, j'ai juste Guibert en 6. Alors que tu as Moret. C'est pas moi qu'il faut prendre la question. Après, je suis convaincu. Qu'a fait Moret au coach? Est-ce qu'il lui a volé sa voiture? Mais il n'y a pas que Moret en plus. Ou sa gourmette, je ne sais pas. Mais on le sent aussi quand on voit les joueurs qui sont. Quand on regarde le groupe qui est sélectionné, on sent qu'il va y avoir un milieu qui va basculer au milieu. Enfin, un défenseur qui va basculer au milieu de terrain. Il y a trois milieux qui sont. C'est-à-dire qu'on sent, parce qu'on a l'habitude maintenant, on sait comment il fait. C'est comment vous l'avez trouvé, truc justement, Guibert. Moi j'adore Guibert, c'est un joueur de l'époque du National Joueur que j'aime beaucoup. Dans l'axe, Jean-Marie. Mais tu mets pas l'axe, non. Mais tu mets pas l'armoire au milieu de la pièce. À la rigueur, mets l'arrière. Non, mais Gilles, je réponds. Tu ne mets pas l'armoire au milieu de la pièce, c'est quoi ce délire encore? Non, puis c'est pas ça, il a loupé des transitions de balles, il a perdu des ballons. La difficulté qui se passe, on revient à ce que disait Jean-Marie, c'est que Salamange, à la rigueur, quand il joue bas, on va rechercher autre chose. C'est-à-dire, justement, dans la transmission, ça va être beaucoup plus propre. C'est beaucoup, ça va beaucoup plus vite. À limite, c'est la manche en 6, ça passe. Le temps, de la transmission, c'est-à-dire entre de la défense au milieu, le relais qui doit se faire entre la défense et le milieu, et ensuite le relais entre le milieu et l'attaque, le temps est beaucoup trop long. Donc, Annecy, à chaque fois, avait le temps de reformer son bloc. Et eux, à la différence du Sporting hier, techniquement, au milieu de terrain, ils avaient vraiment des bons joueurs de relais. D'ailleurs, la compo là-dessus, le Gigi Roque, hier, il a montré que. Tranquille, hein. Roque, il paye les autres à côté, là-haut. Non, mais tu sais. Il circule le ballon. Attends, tu crois qu'il même contre Quevilly sur leur but. C'est lui qui fait le centre, il est magnifique. Est-ce qu'on a été nul ou est-ce que c'est un décide? Non, offensivement dans le précis. Après, je pense aussi que le groupe est ils sont fatigués. Et puis ils ont laissé des forces certainement. Mais alors ils sont fatigués. Il y a Koulibaly, il est en grande forme, il paraît qu'il fait courir, il est toujours affûté. Il y a Moret qui joue une fois sur 15. Le gros problème, c'est pas que Annecy. Le gros problème, c'est que depuis la fin février, nous avons un coach qui a des joueurs blessés, suspendus ou en méforme. Et qui est buté. Blessés, suspendus ou en méforme, qui sont pour la plupart des titulaires en puissance. Oui. Ces titulaires en puissance ne seront pas remplacés au poste par poste
par des gens qui peuvent faire leur job, qui sont à leur poste. Oui. On cherche du bricolage pour ne pas faire jouer les 10 déités, les 10 personnes façon... Les 10 personnes blacklistées. Voilà. Tu as Moret, il faut qu'il y ait vraiment, je ne sais pas quoi, c'est même étonnant qu'il joue à Saint-Brieuc. Salis, on préfère un sillon arrière-gauche. On préfère un sillon arrière-gauche. Non, mais j'ai dit, dans ce cas-là, même un Guibert, il peut glisser à gauche. Alors, il est j'attends Lombard avant-centre, moi. Hein. Bon. Moi, j'attends Lombard avant-centre. Coach, il est quand même premier du classement, tu vois. Oui, non, c'est ça qui... Alors, moi, je vais te dire, s'il fait vraiment les choses, s'il n'était pas buté... Moi, je pense que tu es déjà... en Ligue 2, voire champion, depuis 6 journées ou 7. Tu penses, avec une autre gestion. Alors, je pense sincèrement qu'on a vraiment l'équipe la plus forte du national et c'est normal qu'on soit là. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'était réglé déjà depuis 3-4 matchs. Moi, quand on me dit, on n'était pas programmé pour la Ligue 2, d'accord, le Sporting venait d'accéder. Je ne crois pas un instant qu'au club, ils n'aient pas pensé à monter cette année. Qu'on a cette année, on a pu se permettre d'avoir Chouki sur le banc. On a pu se permettre des fois d'avoir des joueurs sur le banc qui étaient vraiment des joueurs que n'importe quel autre club, on prend que Vini. Tu mets Rasputin en remplaçant, qui est un joueur de Ligue 1. Bien sûr. Et moi, quand on me dit, de toute façon, on n'avait pas un effectif programmé pour la Ligue 2, si on n'avait pas un effectif programmé pour la Ligue 2, excusez-moi, aujourd'hui, on jouerait encore le maintien. Il faut être où on se rend. Après, Gilles, moi, comme je disais, ce qu'il dit, lui, je vais un peu dans ce sens. Hier, justement, le même journaliste, il me dit, mais vous pensiez vraiment monter. Mais n'importe quel supporter qui est dans la salle ici, même en début de saison, il pense monter en première division. L'année prochaine, il va pouvoir monter en Ligue 1. Non, mais tu, en connaissant même pas l'équipe, je mets au défi, c'est que tu Non, mais nous, oui, mais les autres clubs, c'est pas pareil. Nous, on a toujours envie. Les supporters de Bastia, je dis. Ah oui, nous, oui. Le supporter du Sporting de base, tu vas gagner le premier match. Sans savoir l'équipe que tu as. Tu dis tu vas monter en deuxième division. Tu te parles déjà de. Mais il y a des tarés. Non, là par contre, je te parle de Ligue 1 maintenant déjà. Oui, il y en a, oui. On a honte. Ce qu'il faut pas oublier, mais le championnat est très difficile. Attention, difficile, il faut que perdre. Tu peux que restart s'ils ont gagné. Non, mais justement, deux matchs sur. Il est difficile dans le sens où tu te fais surprendre. On l'a vu hier. Je m'hésite, si les équipes sont faites avec plus de justesse et s'ils pensent plus. Je veux dire, s'ils pensent plus. Le coach, s'il pense plus détendu. Pas son petit ego. Tiens, on va regarder. Je suis sûr. Non, mais après, on dire, mais tu es déjà champion et en Ligue 2 depuis 3 journées. Je te le dis. Ouais, pour les boules. Et ça chatte. Oh là là. Il est champion quand même. Il est champion. Il est pas champion. Il va être champion. Le parcours est phénoménal. Le parcours est phénoménal. Les résultats, ils vont dans le sens du coach, c'est sûr. Après, si on peut plus discuter, comme je disais, si on peut plus discuter. Mais bien sûr, si on peut plus dire. Mais justement, je fais le cas du mien. Justement, on parlait du contenu. Si on peut plus dire. Je vais même dire. Si on peut plus dire. Non, mais il faut basculer. Il faut basculer dans le professionnalisme. Hier, j'en parlais, j'en discutais avec Ludo Guaidé là. Et il me dit on a peur de quoi. J'ai dit non, j'y sais pas ça. Mais on va monter en Ligue 2. Le club, le Sporting Club de Bastia, le nom, il sera professionnel. Basculons entièrement dans le professionnalisme. Soyons prévoyants. Soyons peut-être un degré d'exigence. Pourquoi un degré d'exigence un petit peu plus élevé. Moi, ça me paraît tomber. Et comme je disais, c'est pas de la vanité, c'est pas un manque d'humilité. Je valide ton truc à fond. Non, mais après, il y a toujours. Je valide son diplôme. Moi, je te dis ce que je repense. Parce qu'on est régulièrement même attaqué sur les réseaux sociaux. C'est pas que nous, Minel France. Par rapport au fait qu'on est protégé des entraîneurs et pas d'autres. Je m'explique. Quand par exemple, tu prends Chabert, moi je le dis sans aucune. Pourtant, je sais pas moi, ma tasse de thé, Chabert. Tu l'as la première année de National 3. Chabert. Pourtant, tu montes. Hein. C'est ça. Tu l'as à lui la première année, tu vois, au dépens de Stéphane, pourtant. Hein. Tu montes. Hein. Par contre, nous, si on n'a jamais, comme je l'ai entendu dire par des connards, celui-là, c'est pas notre public, celui-là. Stéphane Roche, tu prends le cas de Stéphane Roche. Stéphane Roche, pourquoi on lui est jamais tombé dessus? Parce qu'aussi, on protège Claude Ferrand et l'équipe de dirigeants. Attends, on n'est pas tombé dessus. Et le Losange, Jean-Louis, quand tu étais à la place, on l'a gagné. Non, mais on l'a gagné. Pourquoi on a gagné Chabert, on l'a gagné. C'est lui qui a gagné au départ. Mais c'est lui, c'est un échec. Chabert, c'est la même chose que Ross. Mais tu prends Ross. On a toujours gagné. Tu prends Ross. Non, mais attends. Et Tchicolini, moi, je reviens à Tchicolini, c'est un ami. Je vais finir. Tchicolini, c'est pas ça, non, laisse-moi finir. Parce qu'après, nous. Et ménager Tchicolini, moi quand j'allais manger avec François, je me disputais avec lui. Donc une fois chez Rhodes, les gens nous regardaient autour, je me suis disputé. Tu as mangé trois glaces sur le coup.
qui, bon, par contre, mangeur de glace, c'est mieux. il mettait pas le Hollandais, là, je sais plus qu'on avait pris Cabral. Je oui, pas Cabral, ouais. J'ai dit, tu vas le faire jouer, tu vois, à un moment donné, j'ai dit, mais... Là, oublie, on s'est disputé, les gens, qui regardaient. Ils sont braqués. Tant que nous, on dit rien, même si... Non, mais je finis l'explication, je finis. Donc, pour moi, Chabert, en National 3, tu peux monter le truc. C'est un excellent entraîneur pour le monde amateur. Je suis sceptique pour le monde pro. Stop. J'ai parlé de Chabert. Rossi. Oui. Rossi. On l'a pas accablé. Et encore, non. Moi j'ai eu les boules avec les pénalties de Clafoutis, Lyon et le match de Caen. Ça, c'est pas Ross. C'est pas grave. Mais Ross, si tu veux, pourquoi on n'a jamais trop accablé? On a un club en pleine reconstruction. On n'allait pas lui tomber dessus. Et Chicoline et Printemps, parce que je remonte même plus vieux. Ça, Printemps l'a reçu. Printemps. Il l'a reçu, mon cher. Printemps, je vais te dire une chose. Printemps, il remplace le Makelele. Oui, au mois de juin, avec la finale de la Coupe, il doit s'arrêter. Bien sûr. Au mois de juin, avec la finale de la Coupe, il doit s'arrêter. Ils n'ont personne à prendre parce que personne ne veut venir. Ils le mettent. Chez Colline, il remplace Printemps. Au mois de juin, on le dit à Minefoot, il doit s'arrêter. Il ne doit pas continuer à travailler. Ils se mettent à genoux. Mais pourquoi Printemps? On parle de Printemps. Printemps, on n'a pas ménagé. Ah non, on a gagné. C'est mon choix. Mais il nous en met pas. Par contre, moi, Chez Colline, quand il reprend l'équipe, quand il garde l'équipe, parce qu'il n'avait pas repris, il la garde avec, il la reprend avec Printemps. Et en juin, il doit s'arrêter, il doit retourner après, à la formation. Là, l'année d'après, quand on a Bifouman, Angis, c'est non, mais attends, il y a aussi... Chicoline, pour moi, il doit pas rester. Il non, doit pas signer, mais aussi. Les dirigeants qu'il y avait à l'époque étaient une catastrophe. On n'allait pas le faire tomber à lui, alors que c'est les dirigeants qui sont arrivés là. Jean-Marie, il n'arrête pas ça. Aussi, des fois, on aurait été indulgents, parce qu'on savait que, par exemple, il voulait tel joueur. Non. Que lui voulait tel joueur, que lui ont pris un autre joueur. Il fallait pas travailler avec les avant-centre. Ils n'ont pas pris l'avant-centre. Ça, on le savait, le plus les gens le savaient. C'était là. À un moment donné, quand on veut le défenseur, on lui vend Péberdet, c'est quand et même... Ça, c'était... On a quand même vendu notre meilleur défenseur central, c'est ça, dirigeant. C'est ça, c'est ça. Pour prendre son remplaçant à l'Orient. Saint-Ruf. Rose. Saint-Ruf. Rose et Saint-Ruf. On a quand même... On l'a suicidé, le pauvre François Chicoline. Il a pris 1 000 bâtons dans les roues. C'est pas Mamouze, on s'est pris. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Rose, c'est Laurent qui l'a envoyé pour qu'on descende. Entend. N'importe quel entraîneur de l'époque ne doit pas travailler avec ses dirigeants. Non, c'est les dirigeants, c'est pas possible. Ça, c'est donc, sûr. Qu'est-ce que c'est de taper sur un fusible comme ça? Par contre... On va taper sur les dirigeants, hein. Putain. alors, les gens qui disent « Oh, tu collines vos copains, allez vous faire enculer !» Moi, je non, j'ai l'air de le je peux pas consommer. On va l'air de le punir. Il parle mal de mon public, là. Ton public, des traîtres, oui. Atroce, ce but. Atroce, j'ai été au téléphone. Bocognano, je crois qu'il a fait un léger AVC sur le centre. Non, je rigole, je plaisante. C'est parce que vraiment il bloque. Mais vous qui êtes là, il est atroce. Radou, il part, on perd un bien. Mais il dit Chensigne, il n'y a pas eu de problème. On voit le but quand même, on parle. On a le but. Et heureusement, un grand Thomas avec Chensigne. Ouais, largement. Franchement, je suis d'accord avec Anto. Mais c'est mérité pour nous aussi. Là, les mecs, ils ont déconné. Voilà les buts. On va revenir au choix après des coachs. Après, chaque coach détient sa vérité, entre guillemets. C'est, s'il pense que c'est comme ça là, qu'il faut y aller. Mais il ne faut pas être buté aussi. Mais il faut accepter. Non, mais après, il faut accepter que des gens ne soient pas d'accord. Il faut accepter. Mais tout le monde d'ailleurs. Hein. Tu n'as pas dit ça, c'est son problème. Hein. Non, mais moi, comme je dis, j'accepte de discuter avec des gens qui sont. Qui le défendent corps et âme, mais il n'y a pas de problème. Mais tu t'imagines que le Sporting devient un sujet tabou comme la drogue, les meurtres ou les choses comme ça? On n'a même plus le droit de parler comme ça. C'est un scandale. Moi, ce qui me sidère. Ce qui me sidère. On n'a pas le droit de parler du Sporting. On n'a pas le droit de parler du Sporting. On n'a pas le droit de parler du Sporting au même niveau que le CIO. C'est une société. Monsieur Marozelli. La gueule. C'est une société de sclérosés, d'angoissés, de sodomistes, de colonisés. J'ai pas peur de le dire. Et on a peur de parler de ballon. On a peur de parler de ballon. Je ne connaissais pas les équipes. On a peur de parler de ballon. Oh, on va mettre Minenfoot presque côte à côte du collectif de Amafiano, quasiment. Oh, Chabert, il a dit, je suis en colère, nous n'avons pas le droit de revenir en colère. Il a mis 3 sur 20. Donc c'est la faute des joueurs. La copie.
C'est aussi un peu la faute des joueurs. Il est relégué obligatoirement. Ah, c'est pas bien. Donc je pense que non, ça montera peut-être pas. Oui, ils sont capables. Non, non. Oui, il y a des clubs qui ont fusionné. Il peut ne pas y avoir de montée. En revanche, il y a obligatoirement des relégations. Pas ton classement. Il reste 3 matchs. Toujours premier, c'est bon. 3 matchs. Oui, mais ils jouent. Moi, ce qui me sidère en général avec des supporters, ouais, on est tous pareils. Hein, le Sporting, il a tout le monde, mais avec ce qu'on a vécu par le passé, cette faculté, ça sert à rien. À mettre de côté certaines choses et de dire, mais on veut le beurre. Ça s'appelle la société consommatrice. Il reste 3 matchs là. 4 mai à Cholet, le 10 mai à Quevilly, c'est un Mais on sera champion. J'en suis entièrement convaincu. Le 15 mai, on reçoit Resta. Donc ça va. On sera champion. Pour moi, tu vas à Cholet, tu fais un nul à Quevilly et le Resta gagne sa 3ème place de barragiste ici. Parce que tu vas dormir. Ah, même Quevilly, ils sont contents. Tu vois, ils ont tout. On sera champion. SCB, maintenant que l'on sait que l'on se retrouvera à l'étage au-dessus la saison prochaine, on voulait vous dire que l'on est fier de ce duel qui nous attend avec vous sur cette fin de saison. Ah oui, c'est sympa. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Bon, c'est la joie. Non, mais il n'y a pas de plus habitué à ça. C'est bien, ça. J'aime bien Milan qui dit ça à l'Inter, tes copains. On votera aussi ça. Il y a le pisté, le 1 pour le mois de mai. On va faire poser. Pour l'instant, on a deux petits trophées à Chour, deux à Vicenza. Après, ils sont tous sains. Bon, ça peut faire des finales. C'est sûr qu'à Vicenza, il peut gagner le troisième. Là, on verra. C'est méritant. On verra. On va suivre un peu ça. C'est notre petite finale à nous, ça. C'est notre petite finale à nous. Voilà. Bah, on va continuer là-dessus avec justement le Camperim qui a refait Pau-Neuve. Ce beau petit, ils ont refait là. C'est très bien. Bravo, Sorba. C'est bien, moi j'aime bien. D'ailleurs, il y avait le petit sondage genre sur le chat. Sorti hier soir, j'ai vu. Ah, ils l'ont mis, ils l'ont enlevé. Ils l'ont mis. Non, ils l'ont remis là. Alors, c'est Chabert, quoi stop c'était ou encore non, j'ai même pas. Moi j'ai pris à l'instant T. 13h, c'était. J'ai regardé après. Ils voulaient qu'ils partent, je pense. Je pense que c'est une polémique inutile. Non, inutile. Merci, alors je suis complètement d'accord. C'est très bien, c'est très bien. Attendez. Même pour lui, non, mais je veux dire, attends, il a une carrière professionnelle à gérer. C'est quand même donné ton avis. Il défend son et moi je me mets à sa place. C'est vraiment pas évident. Il fait certainement peut-être pas toujours les bons choix. En revanche, on va monter en Ligue 2. On va monter en Ligue 2 avec Mathieu Chabert. On va monter avec qui? Je veux dire, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que il vient pas. Après, je le respecte. Mais tu te souviens, en 1994, on monte avec Lavagne. Hein bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? On le dégage là? Est-ce que ça serait pas le jeu? C'est impossible de le jeter. Jean-Marie, est-ce que ce serait logique de le dégager? Non, mais je t'explique, c'est pas pour. Non, après je parle. Voilà, il y a un ou deux ans de contrat qui s'est allongé. Oui, un seul. Ouais, ça a coûté cher. Un plus un. Voilà. 10-12 000 par mois. De toute façon, on monte ça. Il voulait prendre des joueurs que de les jeter. C'est combien? 2 ans minimum. Oui, je crois que c'est 2 ans. On monte en Ligue 2, du coup. On se souvient. Je sais pas, je crois qu'il a signé. À moins que ce soit 2, je sais pas. Je sais pas. On se souvient des recrues quand on est monté la première année en Ligue 2. C'était ça, quand même. Voilà, ça. Ouais, écoute. À part François Marc, c'est extraordinaire. Alors cette année, si tu te loupes que tu montes pas. Alors cette année, tu as Cazerie. Biscuit. Cazerie, Cahuzard. Est-ce qu'il y a des biscuits là? Non, moi j'ai entendu. Il faut donner un peu. J'ai entendu. Bon, Cazerie, les gens rigolent. Ouais. Perrin. Mais parce que les gens. Ouais, bon, Perrin, tout ça, mais bon, sur Léon. Ouais, ça c'est du même niveau que nous. Je veux du. Mais je vais expliquer pourquoi Cazerie c'est possible. On peut rêver, du moins. Ah. Il n'est pas interdit de rêver, monsieur. Il n'est pas interdit de rêver, voilà. Vous n'allez pas nous empêcher de rêver et moi d'argumenter. Je n'appellerai pas de connard les gens qui a traité Jean-Marie Tallon. Non, non, parce qu'ils nous accusent qu'on a jamais qu'on a toujours défendu Ross et Tchekoli et qu'on les a jamais taillés. Je leur dirais juste, c'est pas sérieux. Je l'ai rallumé, hein. Allez, c'est pas des connards. C'est terminé. Antoine, c'est pas des connards, c'est des menteurs. Voilà. Allez. Voilà. T'es bien, Antoine. T'es bien. Qu'est-ce que tu fais, là, encore? Laisse-le finir. Moi, j'étais de l'huile sur le feu. J'étais menteur. Tu enlèves le biscuit aux gens, là. Laisse-le. Les gens vont te vouloir encore plus. Biscuit. Dans Cazerie, pourquoi? Il faut savoir une chose. Cazerie, c'était pratiquement fait en janvier, là. Oh. Ah oui. Oh là là. Cazerie, il était à la cave à Saint-Etienne. Il a refusé une offre turque parce que c'est pas l'argent. Hein. Il y a un club turc qui l'a acheté à Saint-Etienne. Une offre mirobolante, il n'y est pas été. Oh là 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 là. Voilà, il n'a pas été.
Il a préféré s'entraîner avec la réserve de Saint-Etienne. Je crois que sa compagne est rentrée ici. Et en janvier, ça s'est fait. Il y a eu des discussions. Il a failli venir pour. Il est bien revenu, Saint-Etienne. En prêt, ouais. Bien évidemment. Allez, ouais, c'est quand même. Donc là, il va se passer la chose suivante. À moins que. Bon, une offre. Les offres mirobolantes, les a évincées. Non. Je vois pas parler dans un club du sud de la France, style l'OM. Il a envie de rentrer. Si Saint-Etienne, la condition c'est Saint-Etienne, il lui reste un an. Ouais. Si Saint-Etienne lui paye peut-être c'est quelques mois, je pense. Ça arrange sur le sein en tout cas sur la voilà. Salle libre. Je pense que c'est possible qu'il vienne. Ah, tu peux signer 3-4 ans. Voilà pourquoi c'est possible. Mais arrêtez de dire, il touche tant. Il a refusé une offre de Turquie. Il touche le double Saint-Etienne. C'est parce que j'ai menteur. Voilà, les gens pensent que tu mens. Il n'y a pas que des menteurs dans la vie, les gens. Il y a des vérités. Mais d'ailleurs, il a toujours fait des gestes au Sporting. Hein, ah oui, c'est vrai. En concernant les abos la saison prochaine, on a des nouvelles un peu. Parce que j'ai vu là ça, ils ont bien négocié le truc. Hein. Fais-toi vacciner la bûche. Ils choisissent les gens. Faire un don de mon abonnement au profit du centre formation de la CA. Faire un don de mon abonnement de voir mon nom apparaître sur le maillot du premier match 2021-22. Utiliser mon avoir billetterie pour m'abonner à la saison 2021-22 ou demander mon avoir billetterie, l'utiliser dans la boutique de Orly. C'est ça qui nous a soutenu, qui a dit bravo Sporting. Je l'ai aussi. Bon, ouais, ça c'est pour un émotion. Moi je suis plutôt pour imposer le don d'office, quoi. On va pas donner un don. Oui, comptes. On savait où on allait en s'abonnant. En match de la CA. Oui, de match, on les revoit l'année prochaine. La nouvelle est magique. Chanson le même qui chante. Ils sont abonnés, hein, Jacques Chaud, les deux. Ah, j'en sais rien. Ils sont abonnés à la CA, ils sont souvent. Hein. C'est magnifique. Ils sont en faïde, oui, c'est tu les vois. Magnifique. Non, mais la CA aussi, on était contents. Ils ont tweeté. Tu vois, la TA, ils ont tweeté. La CA se réjouit du retour du SCB. Ouais, ils l'ont fait, ils n'étaient pas obligés. Non, ils ne sont pas obligés. Et c'est Henri Martino a aimé cette salope. Son ami est cœur. Martino, c'est celui qui fait la table avec Choumi. Non, je vais dire non. Continuer sans faire les rabat-joie, on n'a plus su tous ici, enfin peut-être certains vont être solidaires de ce que je dis. Enfin moi, à titre personnel, j'ai plus su dans ma vie des problèmes avec le Sporting qu'avec la CA. Ah, mais c'est certain ça. Oui, non, mais on taquine là. Mais c'est bien qu'il y ait un peu de. Allez, non, mais je parle. Maintenant, il a vu la CA, ça y est, allez. Vous avez vu tout le. Non, mais je sais où sont mes amis. Ah ouais, carrément. Vous avez les Girondins. Les Girondins pensent à faire un système social, vous avez vu? Tellement ils sont dans le trou aussi. Oh, les pauvres. Non, mais. Oh là là, le col. Leurs sociaux, ils vont donner du couleur soit à Bordeaux ou à nous. Un enfant, on le récupère ou pas? Allez, il est là, faites notre accusé. C'est pas plus tard. Jean-Bert, je vais te régaler. Il est fou. Il a craqué. Il y a Luc Damien aussi qui a dit qu'il avait fait les sociaux. Bon, il paraît que. Alors là, je faisais ma sieste encore. Enfin, je me demandais si c'était le soir. Bon, y'a rien de méchant. Y'a rien de méchant. Je reçois un message. Il me dit, oh, Tony, dit que c'est. C'est vrai. Je vais me parader l'interview, moi donc. J'interviens, mais j'avais pas vu. Il est grand. Bien comme il faut. Non, mais soi-disant qu'il a pas dit qu'il a créé Socios, il a dit autre chose, je sais pas. Mais des menteurs t'ont averti encore. Non, pas du tout, c'est pas des menteurs. C'est des gens très bien qui nous ont avertis, des Vincent Gambini et tout, c'est pas des menteurs. Ah, d'accord, ça va. Eux, ils ont compris comme ça. Oui, Vincent, oui. Bisous. Donc, même Julien Pernitch qui a pris la parole, qui. Non. Bisous, Julien Pernitch ou bisous. Bah, puis d'ailleurs, il a servi à rien. Bon, les amateurs, du coup, Jean-Tiel, un peu, qu'est-ce qui se passe? La R2, c'est R2, c'est stop. Oui, c'est R2. Mais la R2, il n'y a pas une fusion, Tony, toi? Une infusion? Ils vont faire un mini championnat de fin de saison avec les clubs qui veulent s'engager. Je pense à R2, R3, R4. Ils vont faire un championnat genre. Il n'y a pas d'accession? Une petite compétition. Donc, nous, on est en Ligue 2 et notre R2, elle est contre la Zamor. Juste pour noircir, moi, j'ai dit que. Le Ferrand et tout ça, ils ont gagné leur pari. Mm-hmm. On leur remerciera jamais assez et tout ça. Mm-hmm. Mais je pense qu'en 4 ans, ta réserve aurait pu être mieux qu'un R2. Hein. Cette année, elle était en R1, elle montait. Elle montait, oui, elle montait. En 4 ans, quand même. Pourquoi c'est normal d'être en R2?
C'est pas la question. Non, tu étais en R1. Tu n'as pas monté en première année, tu es sporting. La première année, tu es dans l'urgence. Donc tu mets une réserve en R4. D'accord, ouais. Non, tu es en R1. Il faut après... S'il te plaît, dis-le toi. De quoi donc? J'ai pas suivi. Quand on est tombé en première année, qu'est-ce qui s'est passé? La première année pour la réserve. Oui, nous, tu avais proposé de suite de faire la... Il l'accordait. Le président de la Ligue nous a appelé, on vous fait repartir en R1 à la réserve. Jean-René Moakin avait accordé. D'accord. C'est le club qui n'a pas voulu, d'ailleurs. Le club n'a pas voulu. Accepte-le, tu t'en fais, tu ne prends pas de risque. Ils se sont fixés sur... Enfin, ils se sont focalisés sur... Parce que le blessé, Kasri, pour un plus grand de blessure, il va jouer contre la CICAP Corse, c'est les prochains jours. Mais c'est pas bien, je sais pas. Je dis pas que c'est bien, Arnaud. Je te dis juste que... Non. Et puis on a aussi les 18 contre le Vieux-Port. Ah, temps. C'est les jeunes, justement, aussi. En 4 ans, tu sais. En régionaux, non, c'est pas... En temps, les jeunes, hein. Qu'est-ce qui se passe? Les 16 ans, les 18... Les jeunes, ben, j'espère que si un R1 jouera en R1, parce que moi... Tu penses qu'ils vont... Mon neveu, il va avoir 18 ans, les... Comment ils font? Et là, ils vont monter à Corté, déjà. Il y en a beaucoup qui montent à l'université. Ouais. Donc, apparemment, ils vont s'entendre avec Corté, avec Fader, de tout ça. Ah, ils vont faire un espèce de compromis. Non, ils vont s'entraîner là-haut, déjà. Ils vont, oui, par rapport. Et après, peut-être, ils vont jouer. Ouais, c'est une catastrophe. Non, mais par contre, Corté, souvent, ils font ça avec. Oui, non. En dessous, c'est une catastrophe. Ah, c'est horrible. Ils les récupèrent. C'est une catastrophe. On souligne que Corté. Corté, oui. Ça, on en parlera un jour, là, dans la forêt, mais c'est une catastrophe. D'ailleurs, Marc, on va accueillir la petite Olivia Romy, tiens, qui est 14 ans. Féminine. La jeune, 14 ans, elle est en 14 ans sporting, féminine, Olivia. Tu es arrivé après les insultes, hein. Dieu, hein. Non, mais j'ai fait exprès, maintenant gentil, manger des chamallows, des petits crémas, voilà un peu d'où maintenant, voilà. Non mais c'est bien, je suis content qu'elle soit là d'ailleurs, parce qu'en plus, bon, c'est l'une des deux seules footballeuses en France à avoir intégré un Pôle Espoir, ce qui est énorme. D'ailleurs, nous, on est surpris, moi je ne savais même pas, hein, je l'ai appris vraiment par dites au tout, club. Dites tout. Et bon, et là actuellement, tu es pour l'espoir de qui, Ajaccio. Pardon, je te coupé. Là, elle dépend du Pôle Espoir à Ajaccio. D'ailleurs, tu es là-haut maintenant, tu vas remonter là, demain, c'est demain que tu remontes. Hein. Oui. Alors, comment ça se passe là-haut alors? Avec le confinement, tout ça, comment ça se passe? Alors, ça se passe très bien, nous on a continué quand même, malgré la crise sanitaire, on a continué les matchs entre nous. Puis voilà, après j'ai l'habitude de jouer avec les garçons parce que j'ai toujours joué avec eux. Ouais. Ils t'embêtent pas, justement, pas un peu sur le terrain. Que ce soit un peu, enfin, je sais pas, une fille, ça peut. Par rapport à eux, est-ce qu'ils t'ont jamais dit ou jamais de remarques, rien? Non. Mais quand on joue à la maison, c'est tu sais, des fois, moi je sais que petit, que tu avais des filles. Oh là là, c'est pas les mêmes. Mais je n'en doute même pas. On met les vidéos en même temps. Voilà, c'est entraîneur, on en parle. On la met en vidéo et tout. Et tu démarres le football à OFC Morgho. Tu démarres là-bas, petite, hein? 5 ans. Avec les garçons, pareil. Ouais. Avec les garçons. Ah, c'est non, mais après. Tu as intégré de suite au Pôle Espoir, comment ça s'est passé quand tu es arrivé? Alors, tu as été intégré direct? Mon frère qui jouait. Ouais. Et puis voilà, après en regardant des matchs à la télé, ça m'a plu. Puis c'est comme ça. Je me suis lancé. Ouais. Tu joues à quel poste? Défenseur. Central, latéral? Central et latéral. Les deux. Mais est-ce que tu veux. Donc là, le Pôle Espoir, c'est que tu as déjà des capacités. Est-ce que tu voudrais en faire peut-être ton métier? Oui. Oui. Je souhaite être footballeuse professionnelle. Plus tard. Bon, ah, c'est bien déjà. Et ton club préféré, c'est quoi? Je dirais Lyon. Ah là là, c'est un peu normal, parce qu'en féminine, c'est des clubs comme ça. Mais il y a que eux pour l'instant. Je préfère Lyon à l'arrière que Paris. Non, non, mais Paris maintenant a gagné. Oui, j'essaye. Avec Bruno Valencogne et Sébastien. Par contre, je sais pas comment il va évoluer le football, mais si jamais reste à Bastia. Non, laisse-le. Latéral ou central, tu peux jouer au deux postes avec lui. Il peut te mettre à gauche, à droite. C'est bien. La récupération. En 6 aussi. Non mais c'est bon, moi je suis content que toi de découvrir les féminines et que j'espère qu'elle va réussir d'ailleurs c'est ton rêve hein, de réussir. Ton rêve, c'est un rêve même. Hein. Ton joueur préféré? Ou ta joueuse? Amandine Henry. Henry, ouais, pas mal, ouais. Je connais pas. C'est Lyon, hein, Lyon, je vois Lyon, Amandine. Elle n'est pas capitaine de France. Amandine Henry. Et chez les garçons, du coup, ton idole, alors, au Sporting, tiens, cette année. Tiens, on va parler un peu du Sporting cette année aussi, on va peut-être interroger. Cette année, qui tu suis, qui tu vois un peu? Doumégvide. Ah, c'est ton. Eh oui, c'est le poste que tu joues. Mais tu vois, ça serait bien qu'elle aille même un jour voir l'intégrer même un entraînement, alors que c'est fini après. Intégrer un petit entraînement de pro, enfin, c'est les idées que je donne. Et là, c'est compétition reprenne avec qui tu vas jouer l'année prochaine alors? L'U16. Du Sporting, encore? Avec les garçons. D'accord. Non, je pensais moi qu'il y avait une. Enfin, c'est quoi ce truc-là? Avant, tu n'avais pas le droit d'intégrer une féminine. Mais je crois qu'il y a une date. Je ne sais pas si elle connaît la loi, mais je crois qu'il n'y a pas de date.
une catégorie après pourra plus. Après, mais c'est pour 16, ça. Ouais, après les 16, on ne peut plus. Ils ont un petit peu. Ils ont changé. Ouais. C'est un permis. Mais tiens, vois combien de féminines, alors, du coup, dans une équipe U14, tu es la seule, mais est-ce qu'il peut en avoir deux ou trois dans cette équipe-là? Comment ça se passe? Après, si tu sais pas, c'est pas grave. Moi, je te demande par curiosité parce que. Il peut en avoir tant que tu veux. Tu peux l'avoir en fait. Non, une féminine va pas jouer contre des types, non. Et c'est le droit de jouer. Toute l'équipe, non. Et pourquoi? Ils peuvent être 4 ou 5. Et pourquoi? Tu peux pas les aller. Intégrer, oui, mais pas une équipe contre. Ils peuvent. Il y aura jamais une équipe. Mais ils peuvent être 4 ou 5. 4 ou 5, oui, mais pas une équipe entière. Ils posent le nombre, je le dis. Ils peuvent être. Bon, regardant les vidéos, c'est pas mal. Moi, la carte a sauté. Attends, ça joue. Non, mais moi, je regardais justement pas. Regarde déjà. Contrôle pied, le contrôle passe, c'est déjà pas mal. Là, non, mais je joue bien, je l'ai vu à Borgo. Moi, parce que j'avais venu à Borgo, j'allais la voir avec Marco Ucho. Elle joue bien, hein, peut-être. Très bien. Déjà, un de notre attaquant. Déjà, j'en peux mieux qu'un Spentino, déjà. Et voilà, ça se passait bien. Tu penses que tu peux tenir un Spentino? Non, je vais vers la fin, lui faire un entraînement avec l'équipe. Tu as dit une question, parce que nous, tu sais qu'on a été élevé au biberon de la singe des cinglés. Donc tu aimes au charbon, y aller un peu les ah tacs oui. Et tout ça, ah oui. Oh c'est beau ça. Hey, c'est comme ils se sont carrières. Ah oui, j'aime bien mettre le tac là. Non, mais c'est bien, en tout cas, on est content. Hein. Et puis il faut mettre en valeur. Oui, 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 non, mais en plus, c'est. Là, maintenant, qui sait qui dans 10 ans entend les pros, puis le football féminin aurait évolué encore plus. Je pense que oui. Mais on aura peut-être aussi une équipe féminine qui jouera en pro, peut-être jusqu'à 5 ans. D'ailleurs, on l'avait au départ, elle a disparu. Elle a disparu, c'est pas pourquoi. Parce que bon, pour les points licence, c'est pas mal les féminines aussi, ça compte beaucoup. On a plus de nouvelles, les féminines. Oh, puis j'ai vu des vidéos de baston entre gonzesses, des de la Norvège, la une de la Norvège, une blonde. Tu as dit douche. Ouais. En tout cas, on espère que tu réussisses. Voilà. On est content que tu sois là. Et que tu fasses ton premier plateau. Tu vois, je dis, on fait le point. Voilà. On va te rajouter. Exactement. Viens avec la Coupe du Monde. Ouais. Les anciens. Ouais, alors on peut l'applaudir. Hein. Le papa, c'est à la canine. Ouais, le papa, il est sociaux, il est tout. Hein, il est à fond. Hein. Il est Bastien. Non, c'est bien. Bon, les anciens, mais vous avez vu ça aussi. Les petits anciens, les deux joueurs brésiliens, ils ont joué le plus de matchs en Ligue 1. Il y en a trois chez nous. Alors, hein. Flavio, il est où? Ilan, bon, ouais, Flavio, il est en sauce. Ferreira et Hilton. Hein, Ferreira, quand même. Il a été chez nous la première saison. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, ouais, quand je courais. Et on parlait de Wami, justement. Wami Kazri, il en a mis trois. Je l'ai dit, là. Trois buts, hein, l'ami la fois. C'est pour ça que moi, on s'inquiétait. J'ai dit, ah, maintenant, s'il voulait venir, il en met trois là. Bah, lui aussi, il a été blacklisté, mais il a été. Puel, il n'a pas été con. Oui, il n'a pas été con. Et puis, il a pas été con, même Puel. Lui a été intelligent. Il n'a pas été con, Puel. On va partir, Gilles. Puel, il n'est pas con, Puel. Bon. Dis-moi si c'est aussi. Il réfléchit, Puel. Il va rebondir, vous avez vu? Là, les gars vont se remettre au football à 19 ans, si c'est. Qu'est-ce qu'il va faire si c'est va jouer pour le Panathinaikos de Chicago aux USA. Il est 4ème division. C'est un club, c'est un club évangéliste, je le sais. Ça fait rire avant les matchs. Ah, Boca, il va être content, Boca, de toute façon. Boca Los Angeles. Agent de mairie, Panathinaikos de Los Angeles. Il lui manquait 3 buts pour finir, enfin, faire les 100. Oui, mais lui, il a 60 ans. Fais-toi l'idée. Il essaye. Moi, je dirais juste calmement, gentiment. Djibril rentre. Il faut aller chercher le titre de champion maintenant. Hein. C'est vrai que et jouer dédié à Julien Adrien, la montée. Julien Adrien, parce que bon, ils auraient aimé vivre ça avec nous. Hein. Julien Adrien, Ivana. Ivana Pia, ouais, qui nous a quitté. Jean-Jacques Moret. Dani Valdrig. Dani Valdrig. Qui en a perdu là Julien Paquet. Le grec, Armand. C'est des gens qui ont risqué d'en oublier. C'est pour ça que grec, quand on est tombé, il a dit je reverrai jamais Sportivo Pro. Il y en a plein qui disaient ça. Il était âgé, il a pleuré, il a dit. Il y en a plein comme ça. Ouais, il y a le petit livre de M. Capourri. Et pardon, l'autre nom, pardon. Ils sont deux. Ils sont deux, Jean-Marie. Jean-Paul Capour. Non, non, Jean-Paul Capour. Et il y a une préface de Frédéric. Jean-Marie fait la pub parce qu'il les a gratuits. Non, c'est pas ça, mon Non, ça c'est le livre de Millième Foot avec la dédicace dedans. Ouais. Bon, moi c'est un livre qui m'a agréablement surpris. Déjà, il y a plein de photos. Photos, images, Anthony. Images. Photos. Si tu veux, que je n'ai jamais vu dans la presse quotidienne du Sport Matin, du Provençal. Il est allé chercher des photos un peu. Il y en a pour tout le monde. Il y a même le cercueil de la CA pour te dire. Combien coûte le livre 49 euros. Voilà. Ouais. Et vous l'avez chez la librairie Pape. Oui. Chez Stéphane Pape, notre ami qui est.
pour la pub gratuite. On a tourné à plus de 4000 vues la précédente émission, c'est énorme, plus de 4002, 4003, c'est encore bien. On fait mieux qu'on dit qu'un des fois. Voilà, on fait mieux beaucoup mieux qu'on est, on est content. Mais il faut dire aussi, dis juste ça. Qu'on a fait toutes les, on est comme Gilles Tchou, on a fait toutes les catégories. Alors, Ligue 1, National 3, National 2, National 1, Ligue 2 aussi, on sera là. Allez, 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 allez,